Ok, donc c'est une map, on peut faire dire comme c'est moi, c'est une map de mémoire en gros. Donc bienvenue dans le texte mémoire, sujet, nanana. Le but est simple, mémoriser et répondre. Moi je sais que j'avais déjà fait des maps comme ça. En gros tu as 10 vies, donc voilà, donc si tu réponds mauvais, bah, tu perds une vie à chaque fois, normal. Donc c'est bien qu'on ait deux justement, comme ça il y en a un qui avance et l'autre puis, enfin ouais, tu verras bien. Vas-y, on va à la première pièce, tu verras comment c'est et tu me diras si tu veux être la sauvatrice ou celle qui répond pas aux questions. Alors. En gros, t'as une pièce. Vas-y, viens. T'as acheté le point à chaque fois. T'as une pièce là, et tu dois regarder la pièce. Tu regardes la pièce, et soit moi, soit toi, avance, et je pose des questions qui va avoir là-bas. Et en gros, par exemple, je te dis combien de palmiers, et tu vas me dire qu'il y en a 3 par exemple, admettons. Et du coup, je dois répondre 3. Si tu me réponds 2 et que c'est 3, bah je meurs, quoi. Compris? Est-ce que ça t'a compris? Ouais, ça y est, Ok, bon, j'avance, tu restes là. Ok, question numéro 1. Combien a-t-il de nuages? Réponse 2, 3 ou 4? Combien qu'il y a de nuages, Léa? moi, j'en vois 3? Sûr? ouais, Je vais ouais. dedans. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est 3. Ok. Tu fais confiance parce que moi, je ne sais pas. Combien a-t-il de fleurs roses? 4, 5 ou 6? Rose, hein. Je pense qu'il y a de plusieurs couleurs, je pense. Quatre. 4? Ok. Je te fais confiance, hein. Ok, c'est bon, 4. Je vais à l'aveugle, moi, je veux que tu me dis. Combien a-t-il de palmiers droites? Droit! Hein, qu'ils soient dro tout droits. 1, 2 ou 3? Combien y a-t-il? Deux. 2 palmiers tout droits? Ouais. Ok, c'est bon. Oh, parfait, je suis au 2. C'est bon, tu peux avancer, toi. À ton tour. C'est à toi d'avancer. Rappelle-toi des questions, hein. J'espère que tu te rappelles les réponses que tu as dit. Je sais pas où est-ce que je. Combien de nuages et tout là. La première question c'est le nuage quoi. Je vais où moi là? Tu te rappelles combien de nuages qu'il y avait? Trois. Bon vas-y, bah dans le 3. Si tu te rappelles. En plus, si tu te rappelles des réponses, c'est bien en vrai. C'est une thèse de mémoire. Réponse numéro 3, 4, attends. C'est bon. Ensuite, la question c'est quoi après? C'était Les sur les palmiers. fleurs. Sur les fleurs, donc Il y en avait 4. ouais, t'avais dit 4. 4. Après, c'est les palmiers, non, je crois. Palmier, il y en avait 2, tu m'avais dit 2, 2. toi. Ça va, le premier chapitre, il est facile, ça va, hein, pour l'instant. Ça va se gâter après, là, on est au deuxième. Me stresse, Deuxième, c'est ça. quoi. Oh Voilà. putain. Ouais. T'es prête? Il y a beaucoup là. Ouais, Oh, ouais. tu veux faire la question ou tu veux c'est moi qui observe l'endroit, t'as toutes les questions. Allez, on va faire, on va changer. Ok, vas-y. La question. Dans quelle maison les habitants ne dorment pas? La maison verte, enfin elle est verte la maison je crois, ouais. C'est une sorte de Vert. vert, ouais. D'accord. La lumière donc c'est vert. Que peut-on lire sur la fenêtre du camion de pizza? La fenêtre? BRB. BRB. Pas là, quoi. BRB, Ouais. d'accord. Vraiment que j'ai des bons yeux. Parce que, en vrai. Sur quelle maison y a-t-il une porte? La maison en briques, la maison verte ou la maison Brique! orange? Brique! C'est la seule maison qui a une porte. C'est bon. C'est bon? J'ai fini, ouais. À moi de jouer donc. Du coup la question c'était la verte, c'est la maison qui dort pas. Ensuite c'était la fête des pizzas, c'était BRB. Y a B, ouais. C'est une thèse de mémoire, hein, ça va, hein, c'est facile pour l'instant. Bah oui. Sur quelle maison a-t-il On une n'est pas con, porte quoi. la brique? On n'est pas con, quoi. Pour le moment non, ça va, en vrai la question c'est plutôt ça va. Du coup là c'est à toi d'observer. Oh. Oh là. Oh. Oh. T'as bien observé parce qu'il a l'air d'avoir des trucs. Je vois qu'il y a un espèce de lama derrière bizarre, je sais pas trop quoi. Ouais, j'ai vu Surveille-le. la main lumineuse. Ouais, surveille-le, on sait jamais, je sais pas s'il y a une question sur ça, mais.
On ne sait jamais. Du coup, question numéro 1. Que contient le wagon de droite de la de pierre, le wagon de droite. De la pierre, de l'or ou du charbon. Le wagon de droite, c'est marqué ça. Il y a quoi dedans? De la pierre ou de quoi? De l'or ou du charbon. La pierre. Pierre? Ouais. Ok, c'est bon. Question numéro 2. Y a-t-il un ourson? Oui, non ou nani? D'accord. Ou nani? Je sais pas, c'est marqué nani. Je lis ce qui est marqué. Du mais coup, il mange, il y a un ourson. Tu me dis oui ou non? Non. Non? Ok, c'est bon. Question 3. Combien a-t-il de torches? 2, 3 ou 4? Des torches, bah attends, oui. 4. 4? Ouais. Oh, c'est pas bon! Oh putain, j'ai eu peur! Hein? Non, c'est pas bon apparemment. 1, 2. Ah bah du coup, je suis retourné là. 3. Quand tu perds, tu reviens ici. 4. Ah, 3 alors! 3, ouais. Si je comptais celle-là, moi. Non, c'est... non, il a bien dit les torches. Pourquoi t'as oublié là, toi? Parce que je suis morte. Ah, mais merde. J'ai perdu une vie, du coup. Donc, de la pierre. Non. Ah si, après, c'est de la pierre. Après, c'est oui, non. Mais après, c'est non. Non, non, oui, c'est ça. Et après, c'est 3, du coup. Mais bon, je vis. Ça m'a fait tellement peur quand je suis morte. Je m'attendais pas. J'ai fait un sursaut. Vas-y, c'est bon, à toi d'avancer. Oh, par quoi d'après, il est difficile. What the fuck. Ok. Par quoi d'après, il est chaud. Au moins que c'est moi qui le fais. Hein. Quoique. Je sais pas. Mmh. C'est toi qui le fais, ouais. Ah oui. Mais là, il y a beaucoup d'objets dans celui-là où je suis. C'est-à-dire que c'est plus qu'il y a d'objets. Non. Plus qu'on avance, plus qu'il y a d'objets, je pense, à chaque truc. Tu arrives, c'est bon. Tu te rappelles pas d'un truc, tu me le dis, hein, si tu te rappelles pas d'un truc. Ouais, je suis là. Ouais, je te vois avancer, j'arrive. Regarde par quoi d'après. Oh putain. Ah, je te laisse faire, hein. Oui, vas-y. Vas-y, pose bien les questions, hein, parce que là, ça a l'air un peu cornu, ce bordel-là. Oh, pas, ça va peut-être rien dire. Vas-y, là-bas, allez. On va le danser, là. Vas-y, allez, où est-ce que tu vas rigoler, là. On dirait un âne. Oh là 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 là. Combien est-il d'animaux? D'animaux. 1, 2 ou 3. Attends, il y a le coq, il y a l'ours qui fait du truc. Le bâton de neige, c'est pas un animal, donc je dirais 2. J'en vois que 2, moi, d'ici. Mais bon. Ok. Quel objet était dans la case verte? Une poubelle. Une girouette? Un feu tricolore? Ouais, ça poubelle. Hein. Poubelle, ouais. Alors. Sur quelle ligne se situe la voiture de police? En bas, au milieu ou en haut? Milieu. C'est fini. C'est bon? Non, bah ça va, là, c'est pas bon. Trop. C'était pas aussi fini que je pensais. Ok, à moi. À moi de jouer. Alors, combien y a-t-il d'animaux? Bah, 2, du coup, le coq et puis l'ours, là. Ensuite, la case verte, c'était la poubelle. Ok, juste là, c'est bon. Sur quelle ligne se situe la police? C'est au milieu. Ok. Pour le moment, c'est bon. Ça va, t'es bon? Oula! Ouais, je l'ai vu. Oh, regarde bien. Oh putain, c'est pour ma pomme. Allez, au revoir. Tu rigoles, c'est toi qui vas faire la servir le truc. What? Il y a un piège. Il y a un piège. Oui. Oh sinon c'est un troll. Oh putain, il y a un piège. Un troll. Oh non, mais là je m'attendais pas. Ça m'a fait perdre une vie pour rien. Oh putain, j'ai peur là maintenant. Attends, il y avait quoi? Y'a un piège, regarde. Oh putain, comment tu vas faire? Faut que je cours. Ah ouais, bah faut que tu sautes pas sur le truc, quoi. Faut que je fonce, pousse-toi. Faut que je cours. Comme ça, tu vois. Comment t'as fait, toi? Bah j'ai sauté ici. Oh merde. Quelle connerie.
Elle a perdu une vie pour rien. Pas grave. Bah, de toute façon, tu devras passer après, de toute façon. Ah, ok. T'es prête? Combien a-t-il de palettes? Ouais, les de palettes. Ouais. Attends, ouf, putain. C'est marqué 2, alors... 3 ou 4. Ouais, attends. Les palettes. Comment on sait combien de vies qu'il nous reste? En fait, j'ai même pas marqué les vies. Parce qu'il marquait, on a dit vie, mais... T'as dit quoi, toi? Combien de nombres? 2, 3 ou 4. 4. 4? Sûr? Je meurs pas, hein. J'ai peur. Ah! Tu m'as fait tuer! Il n'y en a pas 4! Mais il y en a combien, là? M'a fait tuer! Bah, il y a une palette! Mais il y en a plusieurs dedans. Non, il y en a deux, il compte par palette. Genre par coupe, hein, par pack. Là, il y en a deux, hein. Il y a un, deux. Mais non, moi j'en vois quatre, moi. Mais là, c'est parce que c'est pas. C'est assemblé, ça compte pas. Il marque les palettes. Donc c'est assemblé. Je pense que c'est ça. Hein. Ah merde. Du coup, c'est deux, ça veut dire. Ah, il y en a deux, ouais. Ouais, bon, c'est pas grave. Comment t'as fait tout à l'heure, toi? Ouh! Donc, deux. Eh, c'est pas ça de là, mais je me fais jamais tant mourir. Je suis mort plein de fois. Alors, qu'est-ce qui est posé sur l'étagère? Des pneus, une plante ou des livres? Donc tu cherches une étagère. Qu'est-ce posé sur l'étagère? Ouais, l'étagère. Qu'est-ce qu'il y a une étagère aussi? Des pneus, une plante ou des livres? J'avoue que j'ai pas. Il y a une étagère aussi? Bah, apparemment, il y a une étagère. C'est marqué ça. Je sais pas moi. Il y a une étagère quoi. Bah ouais, tu regardes si tu vois une étagère. C'est une plante, t'as dit ou quoi? Des pneus, une plante ou des livres? Les pneus. Sûr? Je veux pas mourir, j'ai ouais. peur, c'est quoi? Ouais. Oh, j'ai peur. Je te jure, j'ai peur maintenant de mourir. C'est bon. Ok. Par quel conteneur on peut s'enfuir? Vert, orange ou violet? Apparemment, il y en a qu'on peut s'enfuir dedans. Il doit y avoir une ouverture, je pense. Il y en a un qui a une ouverture. Vert, violet ou? Ou orange. Orange. Orange? Ouais. Ok, c'est bon. Allez, ce passage-là, là. Le 6, le 5, là, mon dieu. Waouh, c'est quoi ça? Waouh, le 6. C'est bizarre, le 6. Bon, vas-y, à toi. À toi d'avancer. Ah! Oui. Okay, comment veux-tu que j'avance? Moi, je vais être dans le piège. Bah, et tout à l'heure, t'as réussi tout à l'heure, donc tu t'es pourri, hein. T'avais réussi tout à l'heure. Putain! Je sais pas comment t'as fait tout à l'heure, mais. Putain, ça mais... me. Comment veux-tu que j'avance? Bah, en fait, faut que tu te dépêches, tu fonces dans la porte, en fait, quand tu cours. Tu fonces de ce que j'ai fait, moi. Tu fonces dans la porte. Ah, là, c'est bon. Alors, combien est-il de palettes? Deux, c'est ça, hein? Yep, de deux. Sur l'étagère des pneus. Ouais. Orange. Ok. Regarde le mien. Oh, ça va? Ouais, mais il est bizarre quand même, mais ça va. Oh, vas-y. Allez, go. Mais y'a qu'il y a pas de piège, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Moi, je me méfie maintenant. Y'a pas de piège? Non. Non. Je crois que c'était un troll du 5ème. Il voulait nous troller, bah ça marche. Alors. Qui gagne le morpion? What? Les ronds? Personne? Ou les carrés? What? Bah, personne. Je vois personne de. Non, personne. Bah. Raté. Y'a personne? Les carrés, normalement, c'est quand il y a 3 d'alignés, il n'y a personne qui est aligné là. Ah si, c'est les ronds. J'ai rien. Non, j'ai pas vu. J'ai regardé sur le côté comme ça, mais j'avais pas regardé au milieu. C'est les ronds, excuse-moi. Je me l'observe. Tu vois, en fait, c'est dur, en fait, celui-là. Les ronds. Oui, c'est les ronds, c'est bon. C'est les ronds. J'avais pas bien vu qu'il y avait ceux du milieu qui avaient celui-là. Ça a l'air compliqué. Ouais. Y a-t-il un carré rose? Oui, non, ou peut-être. Bah là, le machin, c'est pas rose, ça. C'est mauve. La couleur, elle est bizarre. Hein. Je sais pas si c'est rose. On dirait du rose, mais en même temps, du mauve, même si. Je veux dire peut-être.
Je sais. Non. Non? Et c'est mauve ou violet ça? Enfin, c'est. Attends, je vais venir voir. Ouais, parce que là, j'avoue que je sais pas trop. Hein. Ça, c'est violet. Et ça, est-ce que c'est rose ou c'est considéré comme du mauve là-bas? Où Là, ça? le carré là. Que tu vois là. C'est mauve ou violet? Ou rose? Je sais pas trop pour rose, Je c'est quoi? dirais rose. Bah, je sais pas. Oh, je rentre dedans. Bah, oui, je viens de C'est m'inquiéter. violet. Bah, je sais pas. Tu crois que c'est violet? Oh, il y a un lama là-bas. Je l'avais pas vu lui. Je sais pas si c'est fait exprès le lama caché là. Il y a un lama caché là. Bon, ben, je vais mettre rose, quoi. Oui, mais rose. Il y avait un lama caché. Je savais même pas qu'il y avait un lama caché. C'est bon, c'est rose? Attends. Y a-t-il un carré rose? Je dirais oui. Ouais. Ah, c'est rose. Bon, d'accord. C'est bizarre comme rose, hein, mais bon. Ouais, moi. Il est un peu mauve son rose, mais. Voilà, le mec est bilingue, le gars qui. Enfin, non, un peu bilingue, mais. Comment on dit ceux qui voient les couleurs? De quelle couleur est l'emblème viking? Le viking, c'est le jaune. Vert, rouge ou jaune? Jaune. Bah, viking, c'est le casque, du coup, c'est jaune. Du coup. C'est bon. C'est bon? C'est fini, ouais. Oh, c'est chaud quand même. Celui-là, il est chaud quand même. Celui-ci, ça. Qui gagne le morpion, du coup? Bah, c'est les ronds. Oh, je te dirai pas le mien ici, putain. Il est dur, tiens. Allez. Tiens, carré rose, bah du coup, bah oui. Même si je trouve que c'est mauve, mais bon. C'est mon point de vue. Le blème des vikings est jaune. Ok. Ça va, on a trois questions à chaque fois. Non, ça va. Alors. Wow, il y a de la fumée dans le tien. What the fuck? Pourquoi il a fumé dans le tien? Ouais, c'est ça. ok, what? Ok. Ça a l'air pas trop dur, enfin, je sais pas. On verra. On verra les questions. Je regarde s'il n'y a pas de piège. Eh, je me méfie qu'il y a des pièges maintenant. Ah, ça Septième regarde. question. Quelle paire d'objets ou numéros n'existe pas? Hein? C'est quoi cette question? C'est quoi la question? J'ai pas Ok. compris. Alors, c'est marqué quelle paire d'objets numéros, c'est marqué le code tout, hein, n'existe pas. Bon, faut que tu regardes s'il y a une paire d'objets ou numéros qui n'existe pas sur les trucs que tu vas devoir. Que tu vois pas. Alors, tu as. Je donne des réponses hein, qui te donnent. La brouette, le 11. Le 7, l'horloge. Ou la 1, la tente. Lequel qui a pas des trois que je te donne. La tente, c'est quel numéro? Le 1. Je dirais le 7. L'horloge? Ouais. Ok, c'est bon. En vrai, les questions sont bizarres. Quel est le numéro du kayak? Kayak, c'est une espèce de bateau, enfin tu sais ce que c'est, un kayak, je pense. Le 8. Bien, le 4. Le 4, ok. Bon, c'est bon. J'ai même pas le temps de rédiger la réponse. Ok, c'est bon. Parfait. Là-bas, c'est pas trop dur en vrai. Quel est l'objet numéro 8? L'antenne, la cagette. C'est quoi une cagette? Ou la poubelle? D'accord. Le 8, c'est quoi? Hein? C'est quoi le 8? L'objet? Le 8. T'as dit quoi le premier? Lanterne. La lanterne. Une lanterne. Lanterne. Lanterne? La cagette, c'est des trucs en bois là. Ah ouais. Tu Ok. peux mettre dedans. Ah. Oui, j'ai des Ok, la trucs question dedans. c'est bon. C'est bon. Tu peux y venir. Petit, c'est simple. Wow. Le 8 est bizarre. Hein. Mais bon, on verra. Il est encore plus bizarre que le 7. Et en plus, c'est moi qui m'y colle. Oh. C'était quoi encore la première? C'était quoi la question déjà? Quel père objet numéro n'existe pas? La brouette, ça, hein? Non, non, non. C'est pas la Non. brouette. C'est le milieu, c'est du milieu. L'horloge. Oui, l'horloge. Eh, t'as failli te tuer. T'as failli prendre mauvais. Quel est le numéro du kayak? Oh merde, je sais plus. Le 7, non? 8. Non. Non. 8. Tu m'avais dit quoi tout à l'heure? Non, Merde, c'est raté! c'est pas celui-là. Tu m'avais dit en plus. T'as pas dit le 4? Attends, attends. La brouette, attends. Retiens la brouette, hein. Ok, Le 4. le kayak, ça m'a dit. C'était le 4, le kayak. Ok, c'est 4, oui, pardon. Oui. Attends, ici, maintenant, là, hein, c'est le... Le brouette. Oh, ma mère, je sais plus! Le premier, c'est Ah, c'est le l'horloge. milieu! C'est le L'horloge? milieu, c'est vrai. Oui, l'horloge, et après, c'est le kayak. Attends. Donc, le 4. Le milieu. Oui.
Le kayak, c'est le numéro combien? 4, tu m'avais dit, toi. Ouais. Oh putain. C'est pas si Le facile que ça, en vrai. dernier. Quel est l'objet numéro 8? La lanterne. Oui, lanterne, je suis en train de réfléchir. Tu me l'avais dit, Anthony. Ce parcours. Regarde celui-là. Il est pire que celui de tout à l'heure, non? Oh putain. Je me demande, ça va être quoi comme question? C'est moi qui m'y colle en plus, vas-y. Pose des questions? Ah, c'est moi. Ah. Bah, avec beaucoup courage, hein. Parce que les questions, je sens que. Non, pas de piège, non, je pense Je que. regardais. Ouais, on sait jamais, c'est vrai, en vrai. Oh, putain, des questions à la rallonge. Oh là. Vas-y, j'écoute. Au-dessus de quel faisceau est la flèche? Ouais, putain, c'est quoi ça? Au-dessus de quel faisceau Ouais. est la flèche pointée vers le haut? Pointant vers le haut. Rose, bleu ou jaune? Jaune. C'est la seule qui est en haut, là. C'est jaune du coup. Mais bon. Jaune, retiens jaune, hein. Faut retenir parce que là. En dessous de quelle torche les flèches pointent-elles vers le bas? Orange et bleu, bleu et rose, ou rose et orange? Ah, qui pointe vers le bas? Ouais, qui pointe vers le bas. Il parle des vaisseaux là ou il parle des lumières? Parce que vers le bas, En dessous de quelle torche les ah, les flèches torches pointent-elles? bleu et rose. D'accord. Mais bon. Quel faisceau correspond à la torche étant à droite de la torche rose? Ah oui. Moi, je sais même La pas ma bleue droite. éclair, la rouge ou la violette? Ta droite est à ta. Ouais. Attends. Donc, répète la question. La droite est à côté de ta souris. Le côté de ta souris. Oui. Du coup. Quel faisceau correspond à la touche étant à droite, à la torche étant à droite, à la torche rose? C'est compliqué. Bah, c'est vert, je dirais. Parce que Y a le. pas vert. Y a pas Attends. vert. Parce qu'à côté. Attends. À côté de la torche rose, c'est ça. Quel faisceau correspond à la torche étant à droite de la torche rose? Donc tu dois. Celui qui est à côté de la torche rose, à droite. Mais la torche, à côté de la torche rose, c'est la verte, justement. Sinon, il y a la orange. De l'autre côté. C'est bizarre. Quel faisceau correspond à la torche étant à droite de la torche rose? Ah, Marc, il parle des vaisseaux en dessous. Peut-être. Quel Rouge. faisceau est? Ah, rouge, du coup, peut-être. C'est peut-être ça qu'il Quel parle. feu hein, rouge, on va essayer. C'est ça? C'est bon. Hey, les questions sont hard encore un petit peu. Mon Putain. cerveau. Hey, je transpire du crâne là. Mon cerveau est en cramé là. Oh Oh putain, purée. j'ai mal à la tête. C'est bon? Ok, c'est à moi du coup là. Ouais. Oh, aïe aïe aïe, je vais mourir. Je me rappelle Jaune. plus. Jaune? Ok. Bon, j'ai même pas temps de lire. Ok, deuxième question. Toujours les torches pointent vers le bas. Mieux. Bleu et rose. Et Ensuite, rouge. la rouge. Bah, Rouge. milieu aussi, du coup. Ok. Elles sont un peu hard les questions, des fois. What the fuck? Oh. Ok. Bon, ça a pas l'air trop dur. Enfin, je sais pas. Faut voir. Non, ça faut voir les questions. Ouais, faut Attention au voir. piège. Attention. Mais bon, il n'y a pas de piège. Et j'ai foncé dans la porte avant pour être sûr. Donc là, on est au passage 9, là. Je crois qu'il y a 10 passages. Donc on a encore un, je crois, après celui-ci. Ouais, on arrive, ouais. Alors, quel est l'objet sur le plus haut casier? Le plus haut casier. Ouais, vas-y. Alors, tu as la botte de paille, la citrouille ou les WC? Botte de paille. Botte de paille? Le plus haut Ouais. casier. Ok, c'est bon. Question 2. Combien de tiroirs possède le casier le moins haut? 2, 4,
Ils sont tous de la même taille. Je crois pas que ce soit de la même taille. J'ai vu vite fait tout à l'heure. 4. 4, le moins haut. Ouais. Ok. Oh, c'est bon. Et des fois, j'ai peur un peu de mourir. Après. Mais moi aussi, parce que je vois deux trucs de la même taille. Donc, ouais, ça m'a un peu stressé. Ouais, c'est un peu. J'ai vu fait tout à l'heure, j'étais en mode. Combien de tiroirs possède le casier portant un nounours? 2, 4, quel nounours? Bah oui, quel nounours. Attends un peu. Combien de tiroirs possède le casier portant un nounours? Quel nounours? Donc il n'y a pas de nounours? Il n'y en a pas? Non. Ok, c'est bon. Ok, c'est à toi. C'est à toi. Ça va, il y a 3 questions à chaque fois, donc ça va. Heureusement qu'il n'y a pas de 10. Oh putain, le dixième passage, oh putain. Attends. Il est dur, le dixième passage. Quel objet sur le... C'est une botte de paille. What the fuck. Oh, le dixième question, c'est moi en plus qui va m'y coller. Oh, aïe, aïe. C'est vrai. Oh, tu vas voir comment il est hard. Combien de tiroirs possède 4? 4, ouais. Et quel possède quel ours? Tu vas voir le dixième, en plus c'est moi qui m'y colle. Oh putain, mais c'est quoi ce truc? What the fuck? Ah mais il va être dur, regarde le dixième. Hein? Faut regarder à travers. Oh putain, comment on va regarder? C'est moi qui m'y colle en plus je crois. Mais là. comment vas-tu regarder? Je sais pas. Ouais, j'ai intérêt à avoir des bons yeux. Je vois rien moi. Eh mais faut regarder à travers le truc là. Oh ça va être chaud, vas-y, pose des questions, on verra bien. Vas-y, pose des questions, vas-y. On va casser? Non, bon, pas. Non, c'est fait exprès. Comment veux-tu qu'on regarde? Bah à travers les trucs là. Moi rien quoi. À travers les bon bah bon courage. Bah oui. Toi aussi, c'est toi qui vas mourir si je me trompe hein. Donc rigole pas. Vas-y. Passe à casserole. Allez. Vas-y. Allez, hop, hop, coucou quoi. Prends pas de piège, jamais. On sait jamais. Avoue qu'on sait pas qu'il y a encore des pièges, mais. Je crois qu'il y a qu'un seul piège, je crois que c'est juste. Bon. Vas-y. Pose ta question de au secours, j'ai peur un peu. Quel objet n'y était pas? Oh putain. La benne à ordures, le panneau ou la paille? Alors, attends. Alors, t'as dit la paille, la benne à ordures, elle est là, la paille, elle est là, et l'autre, c'est quoi? Le panneau. Je crois que c'est le panneau, parce que je vois la paille. Allez, et je vois le tout d'ordure. C'est bon. Ok. Première question. Ouais, bon. Quel objet n'y était pas? La valise, l'hélicoptère ou le sac poubelle? Alors, l'hélicoptère, il est à côté de moi, donc je le vois. La valise est derrière l'hélicoptère, donc je dirais la poubelle. C'est sac ça? Poubelle. Hein, sac poubelle. C'est bon. Ben, ça va, les questions. Pour l'instant, ça va. Je les vois, l'hélicoptère, elle est juste au moins. Alors, quel objet n'y était pas? Le tuyau, pneu ou citrouille? La citrouille, elle est liée. Ouais, citrouille, je l'ai vu. L'autre, c'est quoi, ça dit? Un pneu ou un tuyau? Alors là, pneu ou tuyau? Tuyau, je le vois. Je crois que c'est ce truc-là. Donc je dirais. Ouais, je dirais un pneu, ouais. C'est bon. C'est bon? Bon, ça va en fait. C'est bon, tu peux venir. J'ai des bons yeux, alors ça va. Alors, qui le jeu n'était pas? Donc j'avais dit quoi? Un panneau. Ok. Félicitations, ta mémoire est irréprochable. Bon, les deux, s'il vous plaît. Solo, on a bien. Ou alors, tu es vraiment nul, mais tu as quand même voulu faire la map. On te juge pas. Quel objet n'y était pas? C'est le pneu. Hey, mais j'ai pas fini. Ah, merde. T'as même pas tant que j'arrive même pas. J'étais pas encore arrivé. Moi, j'ai marqué, j'ai gagné quand même. Je suis morte moins de fois, je crois. Mais oui, voilà. Mais ça va. C'était pas compliqué. Finalement, hein. Élimination 3 fois. J'ai éliminé 3 fois, t'as éliminé 6 fois apparemment. T'es mort 6 fois. apparemment. Bon, ça va en fait, la map est pas trop mal. Non. J'avais fait une autre comme celle-là, mais différente. Mais je sais plus si je crois pas avoir regardé le code. Bon, qu'est-ce que t'en penses cette map? Ça va, hein. Bah, bien, oui. Du coup, les gars, pour ceux qui veulent faire cette map, le code est en haut si vous voulez l'essayer. Et celui à deux, c'est vraiment mieux parce que solo en vrai, je pense pas qu'on ait une mémoire aussi réponchable. Ah, on s'en rappelle des trucs en vrai, mais il y a des trucs, faut vraiment c'est chaud quand même. Pas tout se rappeler, c'est impossible. Du coup, faites à deux, voilà. Même à 3-4 si vous voulez. Mais du coup, moi, on vous dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.
Et un petit mot pour la fin, Léa, si tu veux dire un truc. Bye bye. Voilà, c'est bon. Bye bye. Pff, arrête les tourilles. Oh là là.